What's up YouTube, c'est PredQueen et aujourd'hui on se retrouve sur Dead Island pour notre Let's Play Zombifique en compagnie de Monsieur Wesker pour l'épisode 11. Bonjour Monsieur Wesker. Salut Pred, salut le monde. Alors aujourd'hui, plutôt, la dernière fois, parce qu'aujourd'hui je ne sais pas ce que je vais faire parce que j'ai oublié. La dernière fois on avait fait toute la zone du labo du coup en fait. Je pense qu'on n'est pas très loin de finir l'acte 3 et de démarrer l'acte 4. À mon avis, si on s'en sort bien, il nous manque plus qu'un épisode après celui-là et je pense qu'on a fini le jeu. On va faire en sorte de finir assez rapidement parce que c'est assez bandant de se dire qu'on a bientôt fini. C'est pas que j'en ai marre de ce jeu, mais j'ai quand même hâte que ça soit terminé pour pouvoir passer à autre chose. Donc, Monsieur Wesker, il est déjà en siège passager parce qu'il a déjà prévu de rien branler pendant cet épisode. Exactement. Donc, bah, sans plus attendre, bah, c'est parti. Je fais une petite ellipse et on y va. Allez, on y va. Bon. Voilà. Cette fois, il va falloir sortir un peu les doigts du cul. Je sais même pas ce qu'on doit faire. J'ai pas lu la quête. Écoute, il faut aller parler à quelqu'un. Ouais, je crois qu'il faut aller du côté voilà, du bateau boum de Mowen. Boum les zombies, oh, boum les zombies. Vas-y. Oh putain, il y avait Gros Saucisson qui était là. Oui, mais Gros Saucisson, il était à côté du bambou. Ouh. Je sais, et ça va, on voit tellement rien quand la route elle descend que tu sais même pas par où tu dois aller quoi. Ouais, c'est ça, tu te fies en fait finalement au pointillé pour on est arrivé. Te chier. Putain, c'était rapide. Et merde. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est ça, c'est à Mowen qu'il faut parler. Ou à la gueuse. Putain, t'étais déjà à moitié coincé. Marley, je sais plus comment on l'avait appelé. Vous m'avez sauvé la vie. C'est Bob Marley. Il connaît le chemin qui mène à la prison. Bah c'est bien, c'est ce qu'il faut. Ah bah voilà, on passe direct au chapitre 15. Eau dangereuse. Parfait. Donc il faut y aller direct en fait. Aller jusqu'à la ville avec Mowen. Bah écoute, hop, c'est parti. Ah. Jusqu'à la ville? Ah bah putain. Ouais. Parce qu'à mon avis, il va vouloir faire des emplettes. Parce que je crois, si je dis pas de conneries, que la prison en fait ici, elle est comme Alcatraz à San Francisco, c'est sur une île. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais dans un épisode, on l'avait vu la prison de loin. Ouais. Et il n'y a pas que ça non plus. Y a on aussi... lance, on voyage sur le bateau, on atterrit, on est plus sur le bateau. Tu fais chier, Mowen. Trouver 3 clous pour Bruno, mais on s'en fout de Bruno. Il y a 2 choses qu'on doit s'occuper avant de partir. La première, c'est l'essence pour le bateau. Un truc spécial pour que Titus nous laisse passer. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, ta gueule, c'est bon, on a compris. Station essence égale essence. Allez, go. Allez, hop, c'est parti. La station essence, elle est... bon, ça va, 200 mètres, elle est pas très loin. Oui. Vas-y, ramène ton cul. Non, je pourrais tenir toi le stick, moi. Ah, dans Dying Light, ces fameux camions jaunes, pardon, sont des ambulances qu'on peut ouvrir. Dans Dead Island, on peut pas faire ça. Ah, ici, c'est les camions de livraison DLH. Ouais, c'est les camions Amazon. Ça aussi, ouais. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Attends, il y a un mec, là, mais je crois que c'est un attrape-couillon. Regarde, tu vas voir. Je crois que c'est un piège. Attends. Oui, c'est un attrape-couillon. I am so sorry. Please forgive me. They made me lure you in here. It's a trap. Save yourself. Voilà, c'est qui les couillons ici? Oh, il y en a encore. Bah, laissez descendre. Il passe à travers les murs. C'est tout? Ils ont enlevé ma fille. Est-ce qu'on a le temps? Non, ça dépend. Ça dépend, c'est où? C'est assez rapide, je me rappelle. Attends, je regarde. J'ai fait cette quête secondaire. Ah, ouais, on peut pas lancer la quête secondaire tant qu'on n'a pas fait la quête principale. Merde, putain, elle est dans des appartements. Je sais plus où, exactement lequel c'est, mais. Je crois que c'est là, non?
Ah non, en fait, non, ici, c'est juste un cul-de-sac. Non, bah écoute, c'est pas grave, on va se concentrer sur la quête principale, et si par chance on tombe sur la quête secondaire, on ira, puis c'est tout. Et bla. Il a fait bzzz. J'y ai fait une Palpatine kill. Une Palpatine kill? Ouais, c'est quand il y a du bzzz. Ah putain, non, pas encore là-dedans. La dernière fois qu'on y a été, c'était la merde. Oh. C'est pas ici qu'il y a des humains? Ici. Super. Mais il y a des zombies aussi, ça dépend où est-ce qu'on est placé. Alors moi je suis déjà dans le truc. Oh! J'ai récupéré le paquet et il y a une caisse de niveau 3 à ouvrir, mais j'ai pas la compétence. Attends, j'arrive. T'as pris le chemin touristique? Ouais. Je sais pas où elle est ta caisse, mais bon. En haut, sur les conteneurs. Fais gaffe, je crois que t'as un humain au cul. Non, c'est un zombie. Non, c'est un contaminé. Regarde, là, il y a une caisse. Ouais. Et moi, il y avait un cunari bleu là dans la caisse là. Ouais. Oh, point américain, c'est nul. Franchement, couteau de canne à sucre, par contre, niveau 58, parce que oui, on a boosté comme des porcs. Wesker est niveau 49 et moi je suis niveau 58. Ouais, 49 sur le point de passer. Voilà, j'en avais marre en fait que Wesker soit 3, 4, 5, 6, 7 niveaux devant et maintenant c'est moi. Ouais. petit, encore qu'il veuille me rattraper une terre des niveaux, certes, hein, mais petit truc à rappeler, c'est que dans son inventaire, le cher Pred Queen a un pistolet cheaté munitions infinies, ce qui fait que en fait, il a passé jaloux. Au moins 12 niveaux en une session d'arène avec un flingue en tartinant comme un dingue, quoi. Voilà, et Wesker est jaloux. Bah, c'est surtout que moi, j'en il a pas dit non, il a pas dit non, les gens. Le niveau 50, bah lui, il arrive au niveau 60, le Pred, parce que voilà, il a triché. Parce que c'est pas que j'ai triché, c'est que je prends de l'avance pour Dead Island Riptide. Ouais, mais c'est stupide, moi perso. Non, c'est pas stupide, c'est Riptide. C'est stupide quand même. C'est stupide quand même, parce que de toute façon, on va quand même... Ouais, mais au moins, je serais plus proche du niveau 70 en me disant que je commence niveau 58. Et peut-être que d'ici qu'on finisse le jeu, 59. Alors, oui, là, il y a de l'essence. Par contre, pour le transporter, c'est à la main. Ah oui, bah il faut prendre un baril chacun. On a pas de bagnole. Non, il y a pas de... y a une bagnole, mais qu'est-ce que tu veux rouler par là? Laisse tomber, c'est mort. On peut rien faire. Allez, vas-y, viens. L'autre côté. T'as un zombie qui court au cul de ta gueule. Voilà, y'a plus de zombies. Il nous emmerde. Allez. En plus, on voit rien avec le bar. Oh, puis il va nous faire passer par le marché alors qu'il y a plein de zombies. Tiens, zombie. Oh, c'est sérieux, je l'ai tué. Strike. J'ai lancé dans le tas de zombies, il y en a au moins 3 qui sont tombés. Putain, ils font mal. Xian, elle a pas assez de vie, c'est chiant. Bon. Allez. Ouh. Arrête de faire... Meurs et fais pas chier. Oh. Et y a des trucs que je récupère que j'avais pas encore récupéré, quoi. Et boum, la petite tête de zombie. Blah. Bon, moi, je suis d'avis qu'on se prenne l'essence et qu'on se tire. Bah ouais, bah écoute, de toute façon, c'est ce qu'il faut, hein. Tiens-moi ça 2 secondes, toi. Attends. J'y ai sauté à pieds joints sur la gueule. Ah merde. Alias. Tu veux l'essence, tiens. Ah. Oh, waouh. Un double. Mais allez, dégage la gueuse. Oh. Ah oui, c'est vrai, je peux leur sauter sur la gueule aussi maintenant. Ah bah tu vois, ça se débloque aussi pour toi. Ouais, mais je l'avais pas encore en fait, avant. J'essaye de passer sans me faire caler, mais c'est pas facile. Ah bah là, ils tombent bien calés, ils te suivent, hein. Pousse-toi, toi, mais... What? Adieu, Pred Queen. Ouais, j'ai juste pris 2 tartes. Ranime-moi, t'as plein de trucs de soins. Grouille. Bah oui. Hey, je viens de faire 33 000. Comme je suis pété de thunes... Bah du coup là j'ai perdu 30 000, super. Non, on va pas faire grenade. Hein?
J'ai dit je vais pas faire grenade. Bah non. Par contre, si tu meurs, je te réanime pas. Comme ça, pour changer. Bah écoute, t'es pas foutu de me réanimer, donc je vois pas pourquoi moi je te réanimerais. Bah en même temps, tu jettes droit dans les zombies. Non, mais t'étais à côté de moi, ils avaient juste à appuyer sur carré. Dans la merde, quoi. Ouais. Faut, franchement, un peu de bon sens. Les gens disent dans les commentaires. Y'a pas de bon sens à avoir. Y'a coop. Coop, ça veut pas dire pour chacun sa gueule. Ouais, mais même si coop. Près de Queen a fait le con. Ah oh. Wow. Et tu fais quoi, toi? Dégage. Fais pas yesh. Je vais finir par passer mon niveau, moi. Excusez-moi, ça, je passe. Gagner 600 XP par zombie tué, franchement, c'est pas mal. Est-ce qu'ils sont toujours derrière moi ou pas? Et 725 points. Non. Non, ils sont plus derrière bah, moi. En même temps, s'ils sont pas sur toi, c'est normal. C'est parce qu'ils sont tous sur moi. C'est normal, moi j'ai le truc pour me faire caler 5% de moins. Là en plus. Alors non seulement c'est une petite bite, mais en plus de bah, ça... Moi j'ai livré mon essence. Ouais, bah t'inquiète, je vais lui livrer moi, son essence. Oh, j'ai amélioré. Wouah! La canne à sucre, laisse tomber, elle est trop cheat. 800, c'est de la merde. On va prendre la canne à sucre en haut. Hop! Couteau de canne à sucre, il fait 1500 de dégâts maintenant. Il est même encore plus. Il est même encore plus pété que mon. Bon, mes frères, on y est presque. Une dernière chose, l'eau devient très agitée. Si on balance. Bah, en même temps, à force d'attendre, forcément! L'eau était bien! Il a attendu qu'il pleuve pour y aller, quoi, bouffe con! Putain, je peux rien. Ah si. Où est-ce que je fais? Le mode scorpion. La faux. Ah, mais c'est de la merde. En fait, il me manque quoi? Ah ouais, c'est toujours le ruban adhésif qui me manque. Les gens. Allez à la station balnéaire. Allez hop, on va faire que ça. On va se balader dans tous les coins où on a déjà été. On va aller voir Cinnamon. Et on va lui faire un gros fuck en restant sur le fleuve. Exactement. On va lui dire, tu vois Cinnamon, on a trouvé un bateau et tu ne monteras pas dessus. T'es deux bites. Les keufs là. Alors, c'est qu'est-ce vrai, qu'on fout là? Du moment qu'il y a le bateau, pourquoi on soit, est là? Tu peux te barrer. Prenez 4 barres dans l'atelier du père de Jean. Des barres de quoi? Des barres pour la muscu? Oh non, pas Abby. Ah, des zombies. Couchez, la gueuse. Le mode vénère. Eh, ça marche bien le mode de rage. Je l'avais jamais utilisé parce que je l'avais pas acheté, mais. Bah oui, le mode rage, il est pas mal. Oh, et oh, vous allez vous calmer. Mais tu vas crever, putain! Il est résistant celui-là. What? Ce qui m'enlève comme vie? Ouais. Oh. Et mon flingue, il tire quoi? Des fléchettes ou quoi? Putain, t'as vu ça? Ah bah oui, j'ai bien vu que... C'est bon, on a les barres. Maintenant, on se casse. Bon, après, ça me dérange pas de faire des sessions de gunfight avec les zombies. Hein. Moi, je suis d'accord. Ouais, mais sur Dead Island, la difficulté, elle est un peu baisée parce que les zombies, ils sont... Quand ils te frappent... Enfin, surtout moi, en tant que Xian, je prends cher. Je te rassure, moi, vu que c'est ta session, les zombies, bah, ils sont à ton niveau, donc... Alors, je sais pas pourquoi il a voulu qu'on prenne des barres, mais... Ah merde, c'est vrai. Oh, remarque. Oh, c'est genre, elle va aller voir son père, il est zombifié, elle va aller le liquider, quoi. C'est ça. Et comme par hasard, il est toujours là. T'as vu ces zombies là, ils sont pas cons. Quand t'ouvres la porte, ils passent, c'est pas comme les connards de Resident Evil. Oh, en plus, c'est un bon petit virulent, donc tue-le vite.
Attends, d'abord à réfléchir. I love you, Dad. Une balle? C'est une blague? C'est parce que c'est scripté. Parce que ça aurait été nous, il aurait fallu au moins 10 balles. Bah ouais. Ça, ça s'appelle une balle gâchée. Dans le sens où on peut en acheter à gogo sur cette île. Ouais, c'est vrai. L'île fabrique des balles. Oh, attends, avant de partir, il faut que je stocke un truc sur elle. Là. Oh merde, attends. Voilà. Parce que la machette, elle sert à rien. Genre. Ah, il nous emmerde, hein. Faut aller au labo maintenant. Ah bon? En fait, il nous fait faire tous les lieux, quoi, en fait. Non, là, on est en train de faire le bouche-trou partout, là. Ouais, c'est ça, il nous fait faire tous les lieux. Bah, après, moi, ça m'arrange, hein, parce que il dit c'est le bordel ou quoi que ce soit, à chaque fois, il faut liquider du zombie, les zombies me donnent énormément d'XP, moi, je monte, je suis sur le point de passer level 50, là, je vois la barre jaune se rapprocher de plus en plus, donc je dis pas non. Alors, la voiture. La voiture, la voiture. Bah, allez, cette fois-ci, je vais pas faire la feignasse. La voiture. Allez, roule, Raoul. Ça, on va écraser des zombies. Écraser des zombies? Ah oui. Okay. Ah, ça, c'est 900, c'est un peu plus la merde. 1003, ça, c'est le flingue cheaté, les gens. Oh là, merde. Wesker, il sait pas conduire. Voilà. Arrête de vouloir écraser les employés du labo et roule, tête de bite. C'est ce que je fais, gaga. Ouais, mais tu roules dans le bambou, là. Ah, oh, il va nous coincer la bagnole. Attends. Oh, bah, Ah, bah, je les ai tous écrasés, bah, comme ça. Il sait pas conduire, il file la gerbe. Il faut écraser le zombie. Enfin, bon. Heureusement que les bagnoles, elles ont pas une barre de vie, parce que... Stop. C'est ça. Allez, hop, on est arrivé. Et les zombies écrasés. Bon, ils ont dit que c'était le bordel, donc je suppose qu'il va y avoir plein de zombards. Ah oui, c'est probable. Ah bah oui, en effet, les scientifiques sont tous morts. Tiens, Attends, il est où, William Birkin? Il est dans son bureau? Tu crois? Eh bah non, il est plus là. Merde, bah il est où, William? Oui, c'est pas grave. Il est dans les chiottes. Bon, viens, il y a pas de sous, merde. Bonjour. Allez, hop. Alors. Ah putain, à chaque fois je me fais niquer à prendre la première porte alors que c'est les chiottes. Je le savais. Épouse-toi. Et boum. Qu'est-ce qu'il a, lui? Ta gueule. Oh, la petite tête, le zombie, le corps est parti à droite. Alors là, c'est cadeau. Ouah. Oh. Je suis mort à cause du bis. Oh, j'ai récupéré toute ma vie cette fois. C'est parce que... Il faut que je me calme. Putain. Mais c'est chiant quand même, parce que Xian, elle tombe quand même vachement vite. Ouais. Elle a pas beaucoup de vie, hein. Je crois que c'est celle qui a le moins de vie, en fait. Mais y'a personne. Je crois qu'elle est dans la cage, non? Ah, elle est derrière nous. Elle s'est enfermée dans ce grillage, quoi. He took my blood once. Then again, and again. He wanted to bleed me dry. And when I asked him why, he was surprised. The savage can talk. But I ran away from my village to go to the city. To go to school, so I know a person can only lose so much blood. I locked myself in the cage to get away from him. And when he tried to open it, using that computer... Aïe, merde, je me suis cogné sur le bureau. He opened them all. And those ah ok, c'est le doc qui était censé trouver un vaccin qui a pété les plans, il a libéré tous les zombards. Ouais. Screamed, but no one came. Mais il est taré. Bah oui. Et du coup, maintenant, il faut quoi? Il faut la protéger encore? Oh, regarde, il y a un bras de zombie accroché dans le carreau.
Moi je vois rien donc je vais rester sur ta vue alors. Ah non, il y a un bras de zombie collé à la vitre. Attends, parce qu'on n'a pas liquidé tous les zombies. Et encore. Il faut trouver le vaccin. Ah bah comme par hasard c'est de l'autre côté. Ah d'accord, parce qu'en fait il était dans le frigo. C'est bizarre, il y a pas un seul zombie, il y a rien du tout dans... Alors, vous allez quitter l'île. Une fois dans la prison, vous ne pourrez pas revenir. Assurez-vous d'être prêt avant de continuer. Voulez-vous vraiment quitter l'île? Oui! Ceci marque la fin de l'acte 3. Oh putain! Avec des mines. Ah, c'est pour ça qu'ils voulaient les barres de fer, c'était pour éloigner les mines! Sauf que c'est complètement con parce que des mines comme ça sont pas juste sur l'eau en train de flotter. Normalement, des mines comme ça sont attachées donc tu peux pas les pousser que les barres de fer. Non, mais genre, t'as le nerf, tu la vois pas arriver celle-ci, le gun. Non, mais il veut la pousser, regarde. Oh, puis oh là là, s'il touche le détecteur. Oh là 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 là. Regarde, tu vois. Genre il arrive à la pousser alors qu'en fait normalement elle est arrimée en bas, tu vois. Les mines comme ça sont ancrées en bas. Par contre là ils ont touché le détecteur, hein, ça aurait dû faire boum. Moi je laisse les autres faire parce que comme ça au moins si ça pète on dira pas que ah, les autres faire au dé de fer. Ouais. Acte 4. La prison. Chapitre 16, mise sous clé. Bon, par contre, il tombe le trophée ou quoi? Bonne question. Ah, ça y est, roi de la jungle. Alors, enquêter sur la situation en prison. Alors, elle est comment la map ici? Merde, je me trompe de touche à chaque fois. Alors, voyons cette map. Carte indisponible. Bon, bah comme ça, à 58. Oh non, j'ai ramassé une cassette. Ouais, moi aussi, j'ai fait la même connerie que toi, putain. Eh merde. On peut pas aller là. Oh putain, on est obligé de les suivre. Vérifie chaque porte, hein, on sait jamais. Ah bah oui, il faut qu'on ait les 72 lieux. Il y a un vendeur! Putain, il vend du ruban adhésif! Sérieux? Ah oui, c'est pour ça, je fais le plein! Oh, et puis du fil barbelé! Oh! Ah, il vend plein de trucs! Je fais le plein! Désolé les gens, on arrive vers la fin, mais on est obligé de faire les courses parce que pour faire les modes les plus puissants du jeu, en fait, on est obligé d'avoir ces fameux petits rubans adhésifs et fil barbelé, en fait. Donc, c'est une aubaine de les voir. Par contre, c'est chiant que ce soit pas comme dans Dying Light où vraiment tu peux pas acheter directement une quantité parce que j'aurais mis 300 et c'était réglé, quoi. T'es obligé de les acheter un par un, c'est archi chiant. Bon, du coup, les gens, on fait une petite ellipse. Ça va très vite. Hein. Moi, j'ai quasiment acheté tout ce que j'avais besoin. Voilà. J'en achète 40, moi. La liste, laisse tomber. Fil barbelé, attends, j'en achète aussi. J'ai trop envie d'aller voir vers les autres endroits s'il n'y a pas une porte cachée, n'importe quoi, parce que je te jure. On est à 59, là. Mais je crois que la prison c'est assez scripté, hein, donc normalement tu peux pas louper les zones. Oh, normalement. Normalement. Mais de toute façon, il y a la sauvegarde sur la clé USB pour ça au cas où. Et forcément, vu qu'on est en prison, il n'y a pas de munitions. Bon. Re les gens. Entrez dans la cantine. Attends. Il est sûr qu'on peut pas aller dans un autre couloir. Apparemment, non. On va vérifier pour être sûr. Vas-y, pousse-toi, toi, tête de Jackie Chan, là, dégage. On voit qu'on peut ramasser quelque chose, mais on peut pas, non. Bon, on va peut-être pouvoir y aller après, peut-être que ça va s'ouvrir bloc par bloc. Ouais, oh putain, il faudra pas oublier de visiter chaque bloc. Ouais. Yo, man, you think they been bitten? What the fuck? Ah, look at the fine ass on that one. Oh, l'autre, il est déjà en train de se toucher la bite en voyant Jean. Oh, shit, she fine as hell. Probably infected. What now? How did you all get here? Are you infected?
Don't you recognize me, bro? Maybe I do, maybe no. You recognize these? Nice, brother. But what I really need is a couple of those, right? We got weapons way better than guns. These people are immune, man. They get bit, they don't get infected. Maybe you could help each other out. How? We want to get to Block C. You heard what the lady said. We want to get to Block C. Dwight? Logan, il cherche la merde. But somehow, we couldn't help each other. Nothing to trade. You, on the other hand, maybe we can make a deal. Lui va nous faire chier. Il va nous faire chier. Oh, 60 ah. Sur... Ouais, j'ai vu ça. Cell A314. Cellule 3A314. Il était là-dedans avant votre naissance. Un vrai fils de pute. La ligne verte. Il est où Tom Hanks? C'est pas Tom Hanks qu'on cherche, c'est John Carpenter. Là, il y a des machettes, là. Bah, pue un peu la merde, mais je vais en prendre une quand même. Ouais, moi perso j'aurais bien aimé des munitions, mais c'est pas dans cette partie de la prison que je trouverais. Enfin, quoique. Voilà. Ouais, non, c'est du blanc, donc le blanc ça pue. Les quêtes secondaires, il faut les attraper au passage. Parce que c'est les quêtes. Viens là. Les quêtes secondaires, c'est ceux-là qui te font aller dans les endroits que t'as besoin. Hein. Ah, il y en a un là. Il y a Papy là qui veut parler. Vas-y, Papy. Il a dit que la drogue c'était mal et vu la tête qu'il a, j'ai envie de le croire. Let's do it. Rendez-vous dans la cellule du dealer. Oui, attends, chaque chose en son temps, il n'y a pas le feu. Encore un qui veut des. Qu'est-ce qu'il veut lui? Le boucher de Bannois. Empêcher le boucher de Bannois de terroriser la prison. Ok, donc il y a un boucher ici. Ah putain, je me suis encore trompé de bouton pour sélectionner les quêtes. Ok, pour l'instant, on peut pas faire les quêtes secondaires, tête de bite. Si, là, il y en a une qu'on peut. Enfin, je crois. Attends. Pas sûr. On n'est pas déjà allé ici? Man, without Titus's blessing, this door ain't fucking opening. Ah ouais, d'accord, il y a des zones où on peut pas aller parce qu'il faut la bénédiction de Titus. Viens par là, il y a une zone 61 au fond du couloir là-bas. Watch your back, brothers. There's a lot of bug zero. C'est bon, 61? Ouais. Alors. Ah, il y a des zombies ici. Oh, des munitions. Oh putain. Je peux pas aller là-dedans. 62, ça monte. Tout droit, il n'y a pas encore une zone. Oula, on est dans la... Oula. Fils de pute. Oh, oh. Ouais, il m'a foutu par terre. Fais gaffe, il est là! Oui, bah j'ai vu le gros tas là. Mais putain, il m'a encore roulé dessus! Une piqûre! Heureusement qu'au des piqûres, on en a acheté 50. Bon, il m'emmerde. Attends, je vais m'occuper de lui. Il a activé son mode super parce qu'il était super vénère. Exactement, c'est ça. Pas de bras, pas de chocolat. Faut qu'on arrête de faire la même blague de merde tout le temps. Bah ouais, mais bon. Mais c'est marrant. Putain, et moi quand il met une mandale, c'est la moitié de ma life qui part, hein. Pour ceux qui se rappellent de la technonique, bah voilà. Rendez-vous dans la salle de contrôle et ouvrez les cellules. Moi, j'étais toi, je fouillerai chaque cellule pour voir si... Chaque cellule, chaque couloir, chaque centimètre carré de cette prison. Si jamais tu vois un chiffre... Ah bah oui. Paraître.
Putain, la lampe torche, elle a deux temps, ça serait allumé. Enfin, à recharger, ça archi chiant. On est en train de faire chaque zone juste pour avoir les. Ouais, non, mais non, c'est. C'est horrible. Wow! 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 Pourquoi tu dis wow? Parce que j'ai un assassin qui me casse les couilles! Ah, il est encore en train de danser! Et boum, la petite tête est à la volée! Tectonique. La tectonique. Toi aussi, t'es au premier étage? Ouais, ouais. Tu trouves quelque chose? Ouais, un assassin. Et un zombie. Non, mais je parlais des zones, moi. Rien à foutre des zombies. Ah non, 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 bah ça, non. Penses-tu? J'aimerais, mais hélas. Ah, d'accord. Oh! Oh! Il a plus de vie, vas-y, nique-le! Putain, mais. Ouah, j'ai fait rien avec les armes contendantes, c'est horrible. Mais normal, c'est pas ta spécialité. Bah ouais, mais bon, j'ai plus tu de. Tu ne t'appelles pas Sambi! Vas-y, viens par là! J'ai plus de munitions. On va monter encore. C'est ça, au deuxième étage. Alors, on fait le tour du carré, moi je fais le tour du. Oh oui, des munitions! Des munitions! Des munitions! Et des zombies! Qui danse la tectonique? Et bla! Mais fais-toi avec les cellules ouvertes, j'attends, je vois bien un zombie attendre à un moment donné pour nous enculer. Oh! Et niveau 50! Et boum! Tiens. On arrive, on est pas le roi. Ah, il est là le mec. Allez, si t'es pas content, tu meurs toi, tu fais pas chier. C'est lui qui est censé être le pire mec de toute la prison, MDR. Sanchez. Il faut trouver la salle de contrôle. C'est comme par hasard, la salle de contrôle est en bas. En fait, elle est à l'étage 2. Je voulais voir si au bout du couloir il y avait quelque chose, mais il y avait rien. Il y a un assassin là. Oh putain! Tu l'avais pas vu avec son ombre? Non, non, c'était pas un assassin, c'était un contaminé! Sac à merde. Bon, alors, attends. Parce que qui dit level 50 dit. Ouais, dégâts plus 30. Par contre, y a l'alarme qui s'est allumée. Ça ramène des zombies! Ouais, bah lui il s'est fait cuter. Peut-être. C'est bon? Ouais, il y a juste un truc rouge à faire en face, mais c'est de l'autre côté. Dégage! Il faut aller de l'autre côté de la cellule. Ok. Il faut prendre le petit pont là, de l'autre côté. Mais il sort d'où les zombies? Je sais pas. Des conduits d'aération? Peut-être. Ils étaient planqués. Oh putain, ils ont même respawn, il y a le berserk qui est nouveau là. Voilà, j'ai éteint l'alarme. Ok, ça a pas débloqué de nouvelles zones. Oh, toi, il fallait pas me toucher. Toi non plus. Dégage. Ah merde, c'est vrai, il est en haut. Casse-toi. Mais tu vas. Oh putain, il me saoule. Ouh là là. Et puis j'ai. En attente des autres joueurs. Okay. Bon, maintenant il faut protéger. Ouais, du plaisir. Et t'es censé être un mec hyper dangereux et tout, alors fais pas ta fiotte devant deux zombies. Attends, c'est moi ou ce mec? Ah non, il a. Vas-y, avance, enculé! Mais vous sortez d'où, putain, c'est pas possible! Attends, il a pris la tangente, le mec, il court. Ah oh, bah tant mieux, comme ça au moins. Bah tant mieux, oui et non, il y a encore un berserk en bas. Mais lui, c'est pas un problème encore. Moi, ce qui m'emmerde, c'est surtout lui là qui.
Attends, il réfléchit. Je vais quel côté? Et par là. Il a compris qu'il fallait descendre. Bon, tu te manies un peu, allez! Attention, berserk! Ouais, justement. Oh, mais c'est pas vrai! Un assassin. Ah, tectonique! Ah putain, tu vas crever! Ah quand même! Putain, il marche encore, il a peut-être, il a plus rien. Ça, c'est le réflexe du corps. C'est la musique qui fait ça. Oh, une carte d'identification. Ok. Moi, je ramasse tout. Putain, il a perdu max vie, ce con. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je crois qu'on l'a laissé derrière et du coup, il s'est foulé la cheville, non? Ouais, un truc comme ça. Faut qu'on fasse gaffe parce que sinon, on va devoir recommencer. Ah ouais, non, de la merde. Ou alors il s'est tapé avec un zombie, puis on l'a pas vu le zombie. Ah ouais. Bah, de toute façon, là c'est bon, il est arrivé dans son nid, c'est bon, allez. Coup de pied au cul, puis c'est vite. Y'a pas un établi? Ah si. Ah ouais, 5%, il était temps de réparer. Ah, la ligne verte. Attends. Oh, Canabo. Attends, non, lui parle pas, ce fils de pute. On va d'abord faire la quête secondaire. Ouais. Parce que comme ça, au moins, on a... Attends. La quête secondaire que je viens de sélectionner, c'est marqué quoi? Sauver Humber des griffes des bandits? Mais c'est où ça? Ah, c'est dans la ville. Bon, bah ça risque pas d'arriver. Acide à gogo. Voilà, j'ai trouvé une nouvelle quête. Un Canabo métallique de la mort, mais c'est de la merde. Putain, ça pue. C'est une arme métallique de paralysie. Contendante. Attends, ça c'est quoi? C'est une arme tranchante? C'est germé. Une arme de merde. Canabo, ça dégage. C'est de la merde. C'est... Voilà. Vas-y, tu viens? Ouais, ouais. T'as sélectionné la même quête que moi? Attends, non. Oh putain. Acide à gogo, c'est ça? Allez, hop, c'est parti. Acide à gogo, ouais. Ta gueule! Ne courez pas dans les couloirs! Le berserker n'est plus là. Ah si, il est là. C'était quoi ton vieux bruit? Ah! Le même que le tien. Wouah! Oh l'enculé! What? Ah, toi aussi? Ben oui! Ouais, wow, il m'a mis un coup de latte et ça m'a enlevé toute ma vie. Vengeance! Vengeance! C'est moi qui le tue! Non, c'est moi. Ah, c'est ouvert ici maintenant. Yeah. Toi, je sais que t'étais vivant. Maintenant, t'es mort. La drogue. Oh, regarde, il y a de la drogue qui est planquée là, dans les chiottes dans et tout. Dans les chiottes. Eh, c'est ça en fait qu'il faut faire, c'est récupérer la drogue. Ouais, bah apparemment ils en ont planqué un peu partout donc il faut fouiller. Oh. Ah, il y en a un là. Il y en a dans le tuyau du lit et tout. Putain, j'ai l'impression d'être un. D'être un maton. Moi, je tiens à dire. J'ai pas le temps. Oui bah lui il a pas eu le temps, à mon avis il est déjà parti. Merde. Ah. Putain, regardez-moi cet enfoiré avec sa meilleure endurance quoi, putain. Con. Ne courez pas dans les couloirs. Ne courez pas dans les hautes herbes. La drogue c'est mal, mais je vais en reprendre un peu, merci. Oh, il a donné un fusil court à la vitesse de l'éclair. Bah ouais, bah écoute. Bah écoute, c'est toujours bon à prendre. Ah, ensuite, le boucher de Monterey. Allez, c'est parti. Par la tête de bite.
J'ai l'impression qu'on va pas du même côté cette fois. Tu te barres vite fait à droite et à gauche. Mais t'as pu. Tu sélectionnes la bonne quête et tu me suis. On peut pas aller par là pour l'instant ? Non. Ah, par contre, on peut débloquer une nouvelle zone maintenant. Je suis curieux, y'a quoi par là ? C'est l'entrée, ça. C'est l'entrée, t'es sûr ? Oui, sûr et certain, regarde, tu peux aller jusqu'au. Ah oui, et puis la ligne jaune par terre, à mon avis, c'est. Ouais, je pense que t'as raison. Ok, ici, ça va être une nouvelle zone par contre. Toi, t'es mort ou t'es pas mort ? T'es mort. Bon, tu viens ? Ils vont fermer derrière nous, les bâtards. Bon, ici, normalement, il y a le vous boucher. Êtes foutu, ok. Apparemment, il faut tous les tuer. Bah, déjà, il faut les trouver. Ensuite, on avisera. Ah, c'est un humain ? Oh non. Ça craint. En tout cas, lui, au moins, il a tué des zombies. Tu veux que je le balance la grenade ? Ah ouais, vas-y. Attends, pas tout de suite, parce qu'il faut ouvrir la porte. Bah, j'espère la que tu peux la tenir dans tes mains longtemps. Vas-y, lance. Ferme. Celle la one shot. Oh le couillon. j'en ai fait de la charcuterie quoi. Oh, ah, ça a fait. Merde. Et il y avait rien, genre il y avait rien. Il avait marqué quoi sur le mur? Die bitches. Oh putain de merde. Non, tu peux pas fermer cette porte là pour me. Eh pourquoi on n'a pas eu une nouvelle zone découverte ici? Non. Bah merde. Ouvre la porte, tête de con. C'est tout? Oh putain. La quête elle est finie, c'est tout? Bah, semble-t-il. Non, il faut la rendre. Alors, attends. Ouais, il faut la rendre. Faut aller la rendre de l'autre côté. La grenade. Ça marche bien. Bon travail, il nous reste plus qu'à nous occuper de ces envoirés de zombies et sans cervelle. Épée de Z. Oh, épée de Z. Ouh, 1600 en état brut, je vais améliorer ça tout de suite. Oh, une arme cheatée. C'est quoi le truc le plus pourri que j'ai? Bah je crois que ça doit être le grand fendoir qui doit puer la merde. Wouah, trop bien. Épée de Z. Elle est même pas à 100%. Alors, améliorer à fond, l'épée de Z, elle fait 2400 dégâts. Oh. Ouais, moi, elle fait que 1700 parce que moi, j'ai pas, que je peux j'ai lui pas mettre, autant de niveau que... Je vais lui mettre le haute tension, bah comme l'autre en fait. Comme ça, ça va faire du zombie tectonique. Tan 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 tan. Alors, l'arme la plus basse que j'ai... Alors déjà, je vais mettre le fusil à la place du cheat, pour pas... parce que le cheaté, c'est pas pour le jeu. 1400. Bon, bah, ce sera ça qui dégage. Donc, l'épée, hop, à la place de la hache. Voilà. Alors, attends. Moi, attends, il faut que je fasse aussi. Attends. Pousse-toi, tête de bite. L'épée de Z... Avoir remplacé le fusil qu'on a obtenu, comme ça, voilà. Ah ouais, puis le fait de l'avoir amélioré, du coup, ça l'a abîmé un petit peu. Ok. Hop. Je vais mettre ça là. J'ai amélioré mon flingue. ça va chier. Dafo, Willem Dafo. Dafo. Le pistolet, Dafo. On va le mettre en bas à gauche. Voilà. Là, je suis bien. Maintenant, faut que je vais vendre vite fait les armes pourries que j'ai, en fait. Alors, on a dit le grand fendoir, ça dégage, la faux nuisible, ça dégage, et puis c'est pas mal, parce que je crois que là, normalement, tout, à part le... Ah oui, puis j'ai la tronçonneuse qu'il faut que je fasse des conneries avec. C'est ça. Bon, maintenant, il faut parler à Tatooman. Tatooman. Putain, cette épée-là, mon pote, elle est cheat. Vas-y, allez, qu'est-ce qu'il nous veut, Tatooman? Alors, vous voulez aller au bloc C? Je peux vous laisser passer, mon frère. Alors déjà, je suis une femme. Moi d'abord. Oh non! Il veut qu'on aille braquer l'armurerie pour lui.
Full veut... Metal Jacket. Oh putain, le sergent Arkman. On va trouver. On va finir par trouver le soldat baleine. Oh, cocktail Molotov. Oh, 63. Oui. Viens par là, à droite. Il faut aller à gauche, donc on va à droite juste pour explorer un peu. Il y avait une. Oh, t'as raté un truc. Il y avait des machins à ouvrir là. Mais oui, mais attends. Là, pour l'instant, on explore. Parce que là on est à 63, j'aimerais bien trouver le 64. Ouais, il y a des zombies à travers les murs. Couché. Il est où le truc qu'il avait à récupérer? Avance! Ah. Non. Tarlouse. Non, c'est parce que j'ai pas fini de fouiller. Donc en fait t'as fait le tour là, toi t'as rien eu. Ouais, mais c'est où le truc que t'as fouillé, t'as dit? Ils ont fait une pièce. Bah c'est justement, c'était par là, j'étais passé par la porte directe en fait. Ils ont fait une pièce spéciale juste pour un établi. D'accord, c'est particulier. Et c'était quoi que t'as ramassé? Ce que j'avais ramassé. Bah rien du tout dans la zone spéciale. En fait, ce que je disais, ouais, la zone sur le côté, en fait, c'est. Oh putain, zombie! Culé, va. Ouah, tout ce qu'ils sont! Il y a des flics là-bas. Oh là là, mais la zone elle est grande là. Ouais, mais c'est un labyrinthe. En fait, là on est revenu sur nos pas. Oui. Là il y a un cocktail. Hop. Oh, des zombies! Avec des flics derrière. Ils ont créé une pièce pour que dalle. Ils sont gentils ou pas? Ils sont pas gentils! Les flics? Ouais! Ils sont pas gentils, ils m'ont buté. Fait chier. Ah, j'ai reperdu 25 000, putain. Mais c'est quoi ce jeu où tu perds de la thune à mort là? Perds de l'XP si tu veux, mais perds pas de la thune. Ouh. Attends. Voilà. Allez vous faire en queue. Putain, mais ce flingue là, c'est de la merde. Allez, tiens, bouffe la grenade, mon salaud. Ah, bon, ce flingue là, faut que je le vends, les gens. Parce que il pue. Clairement. Et j'ai reperdu 20 000 balles, allez hop! Et boum! C'est bon, y'a plus personne? Ah non, il en reste encore un. Ah, fils de pute, attends. Putain. Alors déjà, j'ai perdu presque 100 000 balles. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Je suis caché. I set you free. Oh putain, comment tu l'as fumé? Espèce d'enculé de ta mère. Oh mon dieu. Ouais, des munitions. Oh oui, je me suis refait en munitions de carafe. Enfin, de carabine. C'est un gentil, lui. V64. Ouais, ah bah, je m'appelle Kevin. Bon, nous raconte pas ta vie, Kevin. Ouvre la porte et c'est tout. 64 en ayant rien foutu, c'est bien. Il faut retourner en arrière. Ah, parce qu'il faut récupérer un passe-partout sur le chef des gardes. Bah, j'espère qu'il en avait un. Full Metal Racket. Time to die, lad. Oh, attends. Les munitions. Je prends. Ah, putain, je m'en doutais. Autant d'habitude, il trace pas. C'est la difficulté, elle est un petit peu baisée là. Voilà. Ouais, m'a fait chier. Let's open this up. Me faire chier. Quoi? Ah non. Alors. Vous me faites chier depuis tout à l'heure, bande de fils de pute! Vous m'ont fait perdre 100 000 euros. Enfin, 100 000 dollars. Toi, t'as sorti l'arme cheat. Ouais, bah il me casse les couilles depuis tout à l'heure, donc voilà. La blague, l'autre, ils étaient bloqués avec un mort, quoi. Mais putain, mais c'est n'importe quoi.
En soirée. Oh putain, maintenant il y a plein de zombies partout là. Wesker, il s'est perdu. Comme d'hab. Now I'll start working on the door, and you make sure I don't get a nasty surprise. Bon, donne un truc utile, toi, enculé. Il fait ses bidouillages. I just have to swipe this card through and wait. Why'd that door open? T'as combien de thunes, toi? Let me give it another shot. Damn. 122 000. Ah ouais. One more try. Holy shit. Plus t'en as, plus t'en perds. Putain, c'est abusé. Ouais, faut être pauvre. Allez, dépêche! Oh, attends, des zombies! Ça parce que je... Faut le protéger avec les zombies! How do you like that? Couché! Vas-y, viens! Oh, bon, bah, comme ça. Ok, Jesus au suivant. You're like the fucking angel of death. Bah t'aurais pas réussi parce que vu à la vitesse. Allez, ouvre la porte. Non mais on s'en fout de toi, tu te démerdes, tu prends une batte de baseball et puis... Voilà. Oh y'a un mode là. Le mode Inferno pour la carabine. Oh putain le mode ultime quoi. Mais putain, il vient de se téléporter sur ma gueule! Mais il est chiant! Mais va te faire foutre! Ah, c'est bon, j'ai récupéré la boîte de mun pour Titus, vas-y, viens! Ouais, attends, je prends les boîtes de munitions. Attends, parce qu'il a déverrouillé là aussi. Ah, oui, non, mais y'a rien là-dedans. Il a tout déverrouillé. Là, par contre, y'a quelque chose. Y'a un établi. Exactement. Ouais. Tête de bite. Putain, mais tu cours tellement vite. Ah, oh, je suis bloqué par les zombies. Comment j'ai passé entre quoi? Ah, putain, les boules. Ah merde, en forêt. Je suis déjà loin. Putain, wow, la vitesse! Ouais! Okay. Ouais! Oh putain, j'ai réussi à allez, mettre la porte dans la gueule. That's not gonna do it. We're gonna have to figure something else out here. Tu veux ma main dans ta gueule, espèce d'enculé de ta race? Avec sa masse de la mort là. The kitchen is... Attends, il y a une quête secondaire. Yeah, j'ai vu qu'il y avait une quête, ouais. C'est de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Vendre, j'ai récupéré un truc, la masse d'invalidité, je m'en bats les couilles. Et le fusil court, on a dit que c'était de la merde, donc ça dégage aussi. Allez hop. Ah, il faut aller à l'infirmerie. Ah, d'accord. Est-ce qu'on peut sélectionner la quête secondaire ou pas? On peut pas, parce qu'il y a la quête principale, putain. C'est pas grave, c'est affiché comme quoi il faut monter en haut pour... Oui, bah en même temps, monter en bas, c'est pas facile. Alors, attends. L'infirmerie, tu dis qu'il est en haut? Ouais, ah oui, je vois la petite main blanche, t'as raison. Là, bah c'est juste là en fait. C'est ça, c'est un truc tout con. Voilà. Retournez voir Ariane. C'était vite fait, hein. Ça va tellement vite! Non, c'était pas vrai. Ouais, la quête principale, elle est par là, ouais. Ah ouais mais non mais attends on lui a pas rendu. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave, on va lui redonner après, de toute façon faut qu'on retourne voir l'autre enculé après. Oh on est dans l'entrepôt. Et il y a plein de zombies. Regardez le flingue cheaté les gens. Une balle, un mort, attention, boum. Enfin si je vise bien parce que c'est pas évident. Ouais parce que son flingue il a aucune précision. Ouais en fait c'est un flingue qui one shot, c'est très utile pour faire l'arène en fait, le DLC. Après pour le jeu de base ça sert pas, sauf quand t'as vraiment des ennemis qui cassent les couilles. Ou quand t'es une petite bite. Moi je dis, il y en a qui sont jaloux ici. Alors, en même temps, tu cheats hein, donc. Voilà, jaloux. Aucun plaisir sur le jeu quoi. Ah que bah si, il y a du plaisir. Fin, parce que j'éclate du zombie par milliers. Que t'aies une arme cheatée débloquée à la fin parce que t'as fini le jeu à 100%, pourquoi pas. 65, blah!
Tire dans le baril. Voilà, deux pour le prix d'un en plus. Ouais. Ah. Voilà. Hey, hey, hey. Il a pas fait tectonique. Non. Eh, hey, ils prennent pas tous un coup de jus direct. Attends, avant d'y aller, attends, on fouille un peu. Ouais, ouais, y a peut-être des trucs. Y a pas grand-chose. C'est quoi ça? Carte d'identité. Carte d'identité dans la cuisine, puis qu'est-ce qu'on a à foutre? En plus, qu'est-ce qu'elle fout dans la cuisine, la carte? Bah, je sais pas. Ça pas de logique. Alors, ici, y a rien, mais y a encore des quêtes ici. Ah, mais on est revenu là? Sérieux? Ah ouais, d'accord. Ouais. Oh, un flingue lourd de la mort. Je prends. Attends, avant d'activer la quête principale, on rend la quête secondaire. Attends. Mon pistolet léthargique, il fait 2200, et là, il fait 2200 minimum. Alors, bah, ça sera celui-là. Exotique tenace. Du coup, pistolet de la mort, je vais le mettre là, hop. C'est tout? Il a que 9 balles, par contre? Ouais. Bon bah écoute. Putain, je suis en train de me refaire bien avec toutes les armes qu'on récupère là, c'est un truc de fou. Ah attends, ouais, l'autre oui. Il donne un truc, j'ai pas récupéré moi. Ouais, il donne une. Pousse-toi! Alors. Son chien, il y a trop de PNJ en fait dans cette. Ouais, il y a trop de PNJ dans un endroit restreint et c'est chiant. Le double coup de. Non, ça je garde, ça je vire. Hop, voilà. En plus, ils sont tous à moitié à poil, putain, mettez des t-shirts, bande d'enculés. Alors, il y aura un autre endroit où vous pouvez vous en trouver. Les gardes ont des pièces près du bloc des cellules B. Bien protégées. Ah. Ça craint. Oh! T'as vu le nombre de têtes de mort? Ouais. Attends, on est au chapitre combien, là? 16. T'es sûr? Ouais. C'est marqué où? Bah, j'ai pas vu écrit chapitre 17. Bah, écoute. On fait cette quête là et puis on s'arrêtera du coup ici. Ouais. Et puis après, comme ça, parce que sinon pour l'épisode final, après on aura pas grand chose à faire. Ah, c'est en bas qu'il faut aller cette fois? Oh! Nouvelle zone. Oh là! Y'a une bonne ambiance ici. Mmh. 66, parfait. Un coup de toi aussi tu vérifies pour être sûr. Toujours. Bon par contre, reste pas dans les passages, putain. Avance. Ouais. Alors là, il y a du macabé. Ah putain, j'ai les yeux qui me grattent. Hop, voilà. Lui, il est cané. Ça c'est fermé. Par là on peut pas passer. Là par là. Cadeau les gars. C'est vrai, ils sont tous morts? C'est trop bien. Non. On va dire que oui. Voilà. Attrape! Vas-y. Faut que j'inverse les deux trucs parce que c'est chiant. Voilà, je préfère avoir le pistolet par là. Hey hey hey! Putain, on voit rien. Ouais. Là, il y a un couillon là. Un couillon mort. D'accord, on aurait pu. Et par là, il y a quoi? C'est la même zone? Ah oui, c'est la même zone. C'est chiant que la lampe, elle s'éteint tout le temps, hein. Attends, il y en a excité. Oh merde! Des humains! Putain, barre-toi! Recule! Ah oui, mais le pistolet il pue la bite, laisse-moi y aller, Kakara. Bah là, ils m'ont pas loqué, regarde, je mets juste un headshot et c'est réglé. Une tête.
une tête et voilà. Et toi, dégage, sac à merde. À mon avis, par là, c'est des zombies qui tirent dans la bonbonne. Dans la bonbonne, dans la bonbonne. Trop tard. Attends, j'en ai une autre. J'en ai même deux autres. Wouah! Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai lancé par-dessus la rambarde et ça a pété. Wouah! C'est complètement cheaté. Ouais, par contre, là, c'est dans la zone où on doit aller. On n'a pas fouillé sur dans le bloc. Ouais, donc on va retourner en arrière. Ouais, ouais, vas-y. On retourne tout en arrière au premier bloc et... Ouais, et puis on fouille de manière conventionnelle. Ouais, je crois que c'est à partir de là qu'on peut descendre en bas. Voilà. Ok, donc là, il y a quoi en dessous? En fait, c'est juste là, c'est la zone à... La, merde, la porte à défoncer, c'était le raccourci, en fait, c'est tout. Il est mort? Ouais. À droite tout. Oh putain, et y a... Ouais, y a fils de pute. Mais qu'est-ce qu'il foutait là, lui? Je sais pas, mais il est mort. En fait, ouais, tu vois, c'était le raccourci, c'était pour les prendre par derrière, parce que sinon on serait arrivé par là, on se serait fait enculer. Putain, c'est fini. Tiré dans le tas. Encore des zombies. Moi j'aime bien couper les têtes, moi j'adore ça. Allez danse. Vas-y, toi tectonique. Du con. ça m'inspire pas confiance ici. Putain comment je te l'ai dépouillé dans le dos lui. Ok. Par contre, ouais, bon, bah écoute. Et là, on arrive où, là, en fait? 67. Dégage. Ah, ouais. Putain. Excusez-moi. Fous le camp. Réparation. Hop, réparer. C'est fermé? Trouver un autre moyen de rentrer? Bah on peut casser la vitre, non? Je sais pas. Non. Ouais, toujours plus. Ah, ça c'est un autre bloc. Ah ok, par là c'est un cul-de-sac. Faut monter, monte. De quoi faut monter? Bah il faut descendre, je veux dire. Mais tu vas dégager de ma route, putain! Oh oh! Oh non, y'a pas. Non! Pas lui! Oh, oui, putain. Moi aussi j'ai vu! Tiens! Couillon! Voilà. Mais dégage, putain! J'ai l'impression que j'ai des zombies au cul. Ouais, moi aussi, mais à mon avis, ils sont tous bloqués dans un truc particulier, je pense. Oh putain, y'a un zombie qui a failli te bouffer. Oh, les têtes, elles passent, c'est trop bien. Blah, la tête. Y'a encore un berserk. Y'a pas que lui. Y'avait un berserk. Dégage, pouilleux de zombies. Y'a rien. Et ta munition illimitée, toi, ou quoi? Non. Ça va bien. Ouais. Voilà. C'est peut-être par là qu'il faut y aller parce que ça permet de monter. Tectonique. Allez hop. Alors. Toi couché.
Par là. Couché. Putain, il fait tellement nuit que je coupe non, pas lui. Encore un... Bonjour, bonjour. Casse-toi. Putain, mais tu m'as coincé! Putain, t'es passé dans l'escalier, tu m'as ramené un zombie, puis moi je me suis retrouvé coincé dans la texture! Putain, porte tes couilles! Bats-toi au lieu de te barrer comme une fiotte! Mince. Putain, j'en ai marre de crever à cause de toi, ça me saoule! Aïe 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 aïe. Et puis il arrive à moi. Comment ça se. Tu t'es téléporté dans la zone? Je m'en bats les couilles! Mais tu l'es, les putains de zombies, bordel de merde! Mais je les avais niqués avant d'arriver! Non, t'as rien niqué du tout! Tu fais que fuir comme une pauvre fiotte! Putain, là, franchement, là, les gens, vous pourrez regarder sur ma vue avant de rejoindre putain, tes couilles qui porte est en train de rager. Putain, je les avais niqués, quoi! Eh, hey, t'as une épée déjà, qu'est-ce que tu fais avec une arme contendante? Putain, prends l'épée! Putain, il sait pas jouer, quoi, c'est un truc de fou! Je suis en équipe avec un guignol! Tête de bite! Tête de bite, c'est un truc. Bon, puis lui, il va fermer sa gueule! J'ai envie d'avancer, moi! Il parle, en plus, il y a personne qui l'écoute parce que tout le monde s'en fout! Bah, je tiens à dire que nous, on s'est pris le chou pendant qu'il parlait, donc pourquoi? C'est digne d'une série télé, sérieux! T'as les deux personnages, t'as le grand méchant, il parle, ouais, machin, putain, t'as les deux persos, ils se prennent la tête en mode on s'en bat les couilles, on t'écoute même pas! 69 sur 72, ça sent bon la fin! Poussez-vous! Je veux mon platine! Allez, dégage, toi, dégage! Mais il est immortel, il veut pas mourir! Putain, mais c'est pas possible! Et même sur l'île des prisonniers, il y a des putains d'égouts! C'est le niveau de facilité, les égouts! Les développeurs, quand ils savent pas quoi mettre, ils mettent des égouts, quoi, les bâtards! Ils savent que tout le monde déteste cette zone-là. Non pas parce que c'est une zone qui peut faire peur ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est une zone qui pue autant tous les sens du terme. C'est ça. Oh putain. Il y a un bébé noyé. T'es allé voir au fond si ça donnait un truc? Non, bah t'as qu'à aller voir. Bah ouais, bah attends. Mais lâche-moi, putain, tête de bite. C'est ce que je disais, il tue pas les zombies. Dégage. Ça donne un truc? Y'a rien. C'est bien ce que je disais. Y'a rien. À part juste un petit snack pour moi, quoi. Sans plus. Putain, fratez. Oui, bien sûr. Oula! Alors. C'est comme ça qu'on fait, regarde. Blah. Ouais, j'avais plus de stamina. Par là, il y a quoi? Ah bah je crois qu'il y a rien en fait. Ouais, c'est le même attrape-couillon que tout à l'heure. Ouais. Bah à mon avis, tu sais, je crois que c'est la zone entière qui compte, c'est pas juste un couloir à la con. Attends. Carte d'identité. Et un coup de latte dans le cul du zombie. Attends. Bon, on a une vue sur le gros cul de Pret Queen, je tiens à dire, voilà, pour le coup. Le cul chinois. Oh my god. Oh, on est dans les douches. Ramasse pas la savonnette. C'est Gao qui la ramasse. Ouais, oh putain, ouais. Et je pense... Non seulement il la ramasse, il se la met dans le cul. Il est où Gao? Alors, y'a rien ici. Oh putain. Ok, y'a rien, go. Putain, y'a quand même une grosse plaque d'égout en plein milieu de la douche, quoi. Si ça c'est couchez pas genre, zombies, tu peux sortir par là. Oh, 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 oh putain. Et on est revenu ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, attends. Je sais pas du tout où est-ce qu'on en est, c'est quoi le chapitre? Parce que j'aimerais bien savoir... Allez, ouais. Moi, je tiens à dire, on fait un tour pour voir si on a rien oublié.
Ah bah ici, 70. Où ça? Bah ici. Ouais. Ascenseur pour le bloc C. On n'a pas été par là encore. Non, on n'a pas encore utilisé l'ascenseur, donc il y aura déjà 71, ça c'est sûr. Il y aura le 71, et puis à mon avis, sur le toit, il y aura le 72. Mais d'abord, je sais pas du tout combien il reste jusqu'à la fin du jeu. Est-ce qu'on s'arrête là et puis on fait la dernière vidéo à partir de là? Ou est-ce qu'on booste jusqu'à la fin, quitte à faire une vidéo très longue? Là, vraiment, on est à quoi? Peut-être 30 minutes avant la fin? Bah, je pense qu'on est plus très loin, ouais. Bah, le problème, c'est ce que je dis, c'est que je sais pas, on est où par rapport au chapitre? C'est le problème. Il y a qu'une seule façon de le savoir. Chapitre 16. Je pense qu'on peut s'arrêter quand même. Moins qu'après les chapitres ils s'enchaînent, je sais pas du tout. J'en sais rien. Oh, je suis allé dans le premier étage des douches abandonnées. Ça compte pas pour les zones visitées, mais... Oui, c'est une zone où tu passes par dehors. Non, ou alors c'est un bug. Non, tu passes par le dessus, juste. C'est la non, douche, mais c'est parce que moi, le mur, il affichait pas, et du coup, je voyais la cour de la prison, quoi. Ah oui. Oh putain, le bug de texture, regardez. Alors, celui-là, il est magique. Est-ce que c'est un bug de texture, ou est-ce que c'est vraiment... Oh oui, là, c'est un gros bug, là. Il y a bon, là. Ah oui, il me semble bien. Ah, il est mémorable. Bon, écoute, vas-y, on booste jusqu'à la fin, en espérant qu'il reste pas une heure, quoi. Ouais. Ben voilà, ça sera épisode super long, les gens, mais voilà. Oh, il y a eu une mutinerie. Emmener Irema jusqu'à l'ascenseur. Et tu vois, ils vont nous emmener vers les zones qu'on n'a pas encore. Ouais. Ben voilà. C'est parfait. Putain, y a tout le monde qui se gêne là-dedans quand tu cours, c'est un truc de dingue. Ouais. Allez, rentrez votre gros cul. Ouh. Ah bah on fait dodo. Moi je dors sur Sambi. Hey, get up. Wake up. This ain't no time to be taking a damn nap. What happened? The fucker gassed us. I heard you talking to White. I'm the one who helped you open the locks. We gotta get the hell out of here, like now. And how do we do that? Since Colonel, trust me, just fucked us. You had something he wanted. He came in here and took it right off you like he knew just where to find it. The vaccine. Il a perdu quelque chose, Logan. Ouais, c'est Logan qui a eu le vaccin. Enfin, la souche de base. Ne jamais confier à Logan quoi que ce soit. And if that asshole reaches it before we do, he's flying the fuck out of here and calling in the bombers. Thermonuclear annihilation, the whole goddamn island. We gotta catch him while we still have a chance. What chance is that? White's headed to the hospital. He's picking up his wife to take her to the chopper. Being she's out of her goddamn mind, that'll take some time. He's going through the left wing. Not so many infected, but that's the long way. So what's the short way? Take the elevator to the top, which takes you straight to the other wing of the hospital. It's riskier, but we can reach the roof faster. Il faut qu'on aille dans un hôpital. You should take the elevator. Me and the rest will take the safer way and meet you at the top. Shake a leg for fuck's sake. Ils sont tous en train d'attendre dans l'ascenseur comme des cons. 71 sur 72. Oui. Attends. Ah merde, j'ai ramassé de la merde. Moi je suis d'avis qu'on traîne pas et qu'on trace la route. Allez. Allez, on trace, tête de bite. Ouais. Il est en train de relancer la capture. Exactement. Alors. En bas, il y a quoi? Même
question. Rien du tout. Rien. Mais en fait, il faut quand même vérifier. Moi, je tenais à vérifier quand même. Allez, on trace. Visite guidée, trophée, bim. Oh oui, putain, on est bon, c'est bon. Oh, oh le trophée de merde, il est passé. C'est bon, allez, hop, c'est parti, on peut y aller. Attention, parce que là, il y a du péteux. Ouais. Putain. Tectonique. Allez, danse, ma bite. Du coup, j'ai même pas vu si le trophée, il était tombé. Oui, il est tombé. J'étais concentré. Mais en fait, on va dans la mauvaise zone, c'est même pas. Et du coup, les gens, à la fin de cette vidéo, dès qu'on aura fini l'acte 4, platine. Exactement. Et désinstallation du jeu. Oh non. Oh merde. Ah oui, là, on est vraiment à la fin du jeu. Je confirme. Je m'en rappelle. Raté du con. Et moi, je t'ai pas raté, par contre. Mais tu vas me lâcher! Oh putain, vous me gonflez. Oh, je vais vous enculer. Et t'es parti par où, toi? T'es parti faire de l'atout du tourisme? Mais lâchez-moi! Il est parti faire du tourisme! Non! Il est où, le deuxième? Je sais pas. Il me casse les couilles. Voilà, un bras, une tête, et c'est réglé. Merde. Vas-y, roule! Allez, c'est parti. Roule, Raoul. Bonjour. Mais y'a moyen de passer sur le côté? Oui. Oh putain, y'en a tout autant. Bonjour, messieurs. Moi, je passe dans le milieu, moi, en mode bourrin. Je m'en bats les couilles. Putain, mais ils sortent d'où, tous les virulents? C'est toi qui les as attirés? J'utilise ma rage pour tous les enculer, alors Ah. Mais pourquoi ils me... Non! Ils vont m'enculer! Mais allez vous faire enculer! Bon, Xian, arrête de faire carglass et touche quelque chose! Wouhou! Ils m'ont niqué. Ils doivent être encore 4, hein. Sur les 10. Je t'ai précisé. Ils étaient... T'es déjà mort avant que j'arrive? Ouais, il est déjà mort. Oui. Y'a pas un petit établi dans le coin? Putain, mais ils m'ont suivi jusqu'à ce que je respawn, quoi! Allez vous faire enculer! Quoi, t'es archi loin? Ils sont en train de me faire reculer, ces fils de pute. Oh, un établi. Mais c'est une blague! Wesker est la victime de cet épisode. Putain, hey, mais ils me font spawn en plein milieu de tous les zombies, quoi. Bah, c'est bien. Eh, hey, t'as de l'avance sur moi, en fait, enfoiré. Hein? Mais comment je peux avoir de l'avance? Bah, t'es déjà en haut, alors que moi, je suis pas encore... Ah là, regarde, tu vois, je viens que d'arriver. Hein? Mais ils t'ont fait spawn en avance. Je viens de spawn ici, quoi. Putain, c'est n'importe quoi. Oh, putain. Alors, vous... Voilà. Ouais, des ralentis à la Zack Snyder. Ah, ça c'est pas bon ça. Attendez. Non, n'y va pas! Je viens de lancer une grenade, recule! Oh! J'ai été soufflé par le souffle! Ah, il y a eu de la mort de zombies, je viens d'avoir 14 000 là. Allez, tectonique! Bonjour. Arrête de faire la fiotte et nique-moi, c'est pouilleux! Alors qu'est-ce qu'il y a? Putain, y a un nuage de sang là-bas. Ouais, oui. Et qu'est-ce qu'il fait encore avec ses grenades? Boum! Oh putain, j'ai bien fait! Fais gaffe, le gros! Recule! Regarde, le gros il danse! Ouf! Et toi tu. Putain, je suis soufflé par l'explosion de ces grenades de merde! Ouais, elles sont puissantes! Ah bah ça, oui! On se fout pas de notre gueule. Tiens. Quoi, t'en as relancé une? Non. C'était pour le zombie. Je savais pas si c'était un zombie qui faisait dodo ou pas, alors je lui ai mis un coup de latte dans la gueule. Bon, vas-y, avance, tête de bite. What? Eh oh, je vois plus rien. Ah bah, tu vois, le chapitre 18, il est déjà là.
On a bien fait de pas lancer une deuxième vidéo, les gens, parce que... Bah parce que c'est bientôt fini. Oh putain de merde. Oups, j'ai tapé dans le micro. Et là, on est sur le toit. Il y a un truc particulier à faire ici. Il faut pas laisser White s'échapper avec l'hélicoptère. Oui, je crois qu'il va y avoir des gardes. Grenade. Grenade. Va pas sur les ennemis. Oh putain, là. Oh mon dieu. Je leur fais faire des vols planés, mais laisse tomber. En haut, ça tire en haut. Putain, l'enculé. Ouais, attends, j'ai récupéré des munitions de carabine. Deux secondes. Wouah, je me suis fait enculer. Ouais, mais il est venu d'où, lui? Il y en a deux qui sont sortis de l'ascenseur. Moi, je me planque dans l'ascenseur. Ouais, et puis je récupère les munitions. Attends. Couché. Putain, ouais, mais y'en a un du dessus qui est pas balisé par comme ennemi présent et il m'a niqué, quoi. Ah bah, il faut arrêter de mourir. Ah ouais, mais non, mais c'est... Il est où? Ah, mais il est en haut, au niveau de l'hélicoptère. Ah merde, il y a des zombies maintenant. Il est toujours en haut? Ouais, ouais, il est toujours en haut. T'as vu ce fils de pute qui te tire dessus, là? Merde, j'ai cru que c'était sur moi qu'ils étaient. En fait, celui en haut, je crois que c'est le boss. C'est lui, White. Oh, bah, il nous mitraille déjà, ce fils de chien. Bah, on peut pas monter déjà là, ça se passe comment? Ah putain! Quoi? One shot par le zombie! La grosse victime! J'ai vu un zombie enflammé policier arriver sur moi, il m'a mis une claque, je suis tombé. On peut faire péter les. Ah d'accord. A mon avis, il va y avoir un gros boss, non? Je sais pas pourquoi, je le sens. Je sais pas. Ah, zombie! Ah, et puis zombie armé, fais gaffe! Now it's done. C'est bon, ça passe! Non, c'est pas moi, c'est pour moi! Va t'en foutre, toi! Ah, yes, il danse! Vas-y, danse! Danse, bitch! Alors. Il est là, le colonel McCoy. Et il a attrapé un zombie. Ah oui, en fait, c'est sa femme. C'est l'eau qui disait ça tout à l'heure. C'est lui, Ryder. C'est lui, ce fils de pute qu'on aurait dû prendre aussi en cinquième personnage. Ouais. Ah bah, je suis bien content de pas avoir joué cette tête de bite. Maybe I should start with you. I have no choice here, right? Il parle trop. Tu vois bien sa femme se détacher et le bouffer? Ah ouais, je sais pas pourquoi. Gros cliché de film. Stay back. They hardly seem human. Stop. But killing someone you love? Ah bah, la détacher. Et boum! Il va. Oh! Il a shooté Jean! Encore Jean! Et adieu Jean! Oh! Allez, le petit côté piano pour nous dire la mort. Elle est tellement elle est morte comme une merde! Qu'en fait, on s'en fout! Et lui, il s'est fait mordre, il est foutu! Il va utiliser la picouse? Ah putain! Et y'a tout le monde, y'a personne qui lui saute dessus alors qu'il est le dos tourné à tout le monde. Tu sens la mutation de merde qui va arriver? Oh! Heureusement que le vaccin on l'a pas utilisé. Ouais bah ouais. Alors, on s'en fout, nous on est immunisé donc on s'en prend. Ouais, il est gros! Oh putain, il réagit pas aux balles! Cours! T'as plus de grenades? Non! En fait, tu sais ce que c'est? C'est un assassin virulent! Ah oui, c'est bon! Il fait plus tectonique! Oh non, enculé! Dans le cul! Boum! Oui. 125 000 XP, il a donné! C'est bien! Voilà. Dans ta gueule, Ryder!
He was right about one thing. Benoit is lost. If not him, then someone else will soon send a nuke with our name on it. The quicker we leave, the better. Bah, tu prends l'hélico et tu te tires. Mochocho bitch. Et Mochocho bitch, il est monté en premier. Ouais, en mode belle couille. Toi, t'es monté en deuxième. Je crois que je vais être le dernier monté. Non, c'est Logan le dernier. Non, Logan monte avant, c'est... Ah oui, non, Logan c'est le dernier, ouais, non. Je crois, j'avais confondu Purana avec... Non, non, non. Non, non, Purana elle est un peu plus habillée. Bah ouais, mais ils ont la même coupe, alors bon. Was ironically originally a penal colony and still houses one of the strictest maximum security prisons in the world. It is home to many dangerous criminals and terrorists, including Karen, the infamous hacker for hire who has worked for everyone from Al-Qaeda. Eh ben, cette vitesse-là, on n'est pas arrivé, moi je te le dis. Meanwhile, news of the lethal virus on the island has caused a worldwide panic. Some have claimed that the virus is only the first wave of a massive international terrorist attack. Eljin, elle est morte comme une pauvre merde, et y a personne qui récupère le cadavre et tout le monde s'en bat les couilles. Bernard Green, spokesman for the Australian Defence Force, denies the claims. En plus, cette meuf-là, elle a servi à rien parce qu'elle s'était fait capturer, elle avait... Il n'y arrivait que des merdes. Bah oui. Et regarde, nos persos, ils s'en foutent en plus qu'elle soit morte. Mais oui, tout le monde s'en bat les couilles. Ah, elle est morte pour rien. The whole world anxiously watches what is happening in Benoit. For the moment, all flights in and out have been cancelled. Oh shit, man, I can't believe we made it. At this point, I'll be goddamn glad to have all my old problems back. As long as the world is the way it used to be. It's not. And never will be. Trust me. L'autre, la meuf indigène, elle doit se dire, putain, je suis dans un espèce de dragon volant, parce qu'elle a jamais vu d'hélicoptère de sa vie. Ouais. Bah, elle est un petit peu... Comment ça ? Non ignorante par rapport à sa culture. Ouais, je pense. Elle est surtout très tolérante. C'est même pas une question de tolérance, c'est que... Enfin, il y a rien qui la choque. De compétence. Oh ! Rédemption de Banois ! Rédemption de Banois ! Platine, 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 platine! Mais oui! Le monde entier s'est écroulé, les gens! Oui! Voilà, le monde entier s'est écroulé! Oh putain, qu'est-ce que c'est bon, ça? Le platine, le let's play du platine, oh oui! Le jeu est fini à 100%, les DLC incluent! Oh, ah, c'est bon ça! Tous les trophées ils sont tombés! Oh, putain, c'est trop bien! Oh. Oh putain, c'est excellent. Regardez-moi tout ça, les petits trophées là. Attends, on va regarder un petit... Attends, moi j'ai tendance à toujours copier les photos des trophées sur ma clé USB. On va aller voir le petit platine tout de suite. Regardez-moi ce beau platine là. Le platine. Le monde entier s'est écroulé. Ouh. Et Dead Island passe à 100%. Ah oh, putain, ça fait plaisir parce que celui-là, ça fait un moment qu'il m'emmerde. Bah depuis qu'on a commencé le let's play en fait. Oh putain, ça y est, Dead Island est terminé. Bon, et bah la prochaine étape, c'est désinstaller le jeu. Exactement, mais ça on le fera en off parce que voilà. Ah bah oui, bah moi je peux le, avec Elgato, je peux le faire tout de suite. Ouais, y a pas de soucis. Moi je peux pas. Moi je peux pas. Il faut que je. Toi, il faut que tu restes sur l'application. T'as pas le choix. Bon bah du coup les gens. C'est terminé, voilà, on s'est bien marré, on a bien fait, honnêtement, on a bien fait de poursuivre l'émission, sachant qu'en fait, il restait 20 minutes, quoi, même pas, parce que j'ai regardé le timer, on était à 1h15, plus ou moins, et en fait, il restait, bah, ça fait un quart, on a mis un quart d'heure à finir le jeu, en fait, donc on a bien fait de ne pas refaire une vidéo, parce qu'on aurait fait une vidéo de 15 minutes, donc on se serait vraiment fait chier. Voilà, donc, du coup, ça. Le let's play dure 11 épisodes. Donc voilà, c'est ouais. Parfait, c'est plutôt pas mal, c'est une... Voilà, si on aurait pas fait deux grosses sessions d'enfer là de 1h30, oui, il y aurait eu 12 ouais, épisodes. Parce que si on avait fait des sessions traditionnelles de 30 minutes, ça aurait été deux fois, trois fois plus long.
Ouais, voilà. Mais non, mais vu Mais qu'on bon. faisait des sessions de 1 heure, si on Le. n'avait pas, on a, si on a, si l'épisode précédent, on n'avait pas justement poussé le bouchon jusqu'à 1h30 et que celui-là non plus, on aurait pu faire un autre Bah épisode, puis quoi. le but c'était aussi d'avancer, donc du coup le let's play c'est pas le but c'est pas de rester bloqué sur la chaîne avec un let's play qui dure des années. Donc là en plus Voilà. c'est bref, c'est concis, ça fait plaisir, un platine, donc voilà. C'est ça, Donc un platine. en bref, en quelques mots et sans t'étendre, parce que sinon tu vas parler pendant des heures, juste qu'est-ce que t'as pensé de Dead Island? Bah écoute, c'était sympa de voir le précurseur de Dying Dying Light Light. from the Light. Voilà. Bon, on notera notamment sur la fin, bon les textures qu'ils ont merdées. Il y avait quelques trucs qui me cassaient les couilles. Des fois, on avait l'impression que les personnages n'y répondaient pas ou enfin, tu sais, il y avait comme des moments où voilà, c'était des non-réponses aux commandes. Je sais pas si Ouais, toi mais ça t'a fait des ça. fois, le gameplay de Dead Island, il est un peu particulier parce que t'as l'impression que les personnages, déjà, ils marchent sur du chewing-gum. Enfin, tu sais, Ouais, t'as une c'est un peu sensation, ils sont à particulier. moitié bourrés. Le FPS, c'est pas le premier, mais c'est l'un des premiers, je pense. Enfin, je sais pas, en fait, je m'en bats les couilles. Mais c'est pas ouf, tu vois. Après, ils se sont, Ouais. par contre, avec Dying Light, même avec Dead Island Riptide, quand on fera, tu verras, il est mieux. Au niveau du gameplay, il est mieux. Et Dying Light, bah voilà, c'est ce qui se fait de mieux. Pareil, j'ai hâte que Dead Island 2 et Dying Light 2 sortent pour qu'on ait enfin aussi des bons jeux de zombies encore là. Ça va être une tuerie. Oui, voilà. Bon, après, si on a un Dead Island 2, je pense que le Dead Island 2, il clôturera, on va dire, la série Dead Island, hein, parce que forcément, Dying Non. Light, qui est largement au-dessus par sa fluidité et autres, ça va être compliqué. En fait. Parce qu'ils vont se faire concurrence envers eux-mêmes, quoi. Bah, ça dépend Parce que quand c'est si ça dépend ça bah ça Techland dépend en qui a fait. fait, quoi. Ça dépend parce que il faut pas qu'ils sortent en même temps. Ils vont sortir à 2 ans d'intervalle de toute façon. Mais le truc, c'est que Dead Island Riptide conclut très bien Dead Island tout court. Et en fait, Dead Island 2, ça part sur quelque chose de complètement nouveau, ailleurs. Parce que dans le trailer, ça partait sur San Francisco. Alors que, bon, je vais pas spoiler, quand t'auras fait Riptide, tu vas comprendre pourquoi je te dis que c'est clôturé. Ah, ok. Mais du coup, pour l'instant, tu l'as pas fait, donc tu peux pas savoir. Bon, sur ce, les gens, nous, bah on va s'arrêter là, en fait, hein, parce qu'on va pas non plus faire une vidéo de 2 heures, déjà qu'il fait 1 heure et demie. Voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu, clairement, que le let's play vous a plu, que voilà, que vous avez kiffé voir des zombies. Est-ce qu'on va faire Dead Island Riptide? Ça, c'est une autre question, on verra bien. Pour l'instant, j'ai pas la réponse à cette question. Si on le fait, ce sera pas tout de suite, en tout cas. On fait une pause zombie pour l'instant. Ouais, il y en aura pour un bon moment parce qu'on a chacun nos let's Et play puis, respectifs à terminer, voilà, on a parce aussi que voilà. d'autres trucs à proposer. Après, voilà, on peut toujours le tourner et puis le poster plus tard, mais ce sera pas tout de suite. Du coup, bah. Eh bien, ainsi se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à bombarder la barre des pouces bleus et à mettre un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé, pour nous dire si vous êtes chaud pour Dead Island Riptide. Mais ce sera pas tout de suite. N'hésitez pas, du coup, quand j'ai dit partager la vidéo, partagez également toutes les vidéos du Let's Play, le Let's Play en entier, la playlist entière. J'espère que vous avez kiffé. Nous, on a kiffé le tourner, c'était génial. On s'est bien amusé. Et puis, bah, sur ce, moi et Wesker, on vous dit à la prochaine lors d'une prochaine vidéo. Voilà. Allez, tchuss tout le monde et portez-vous bien! Oh! Il est en train de se battre, il se bat très mal, Bob Marley. Il est mort. Il va mourir. Adieu, Bob Marley! Et boum, la tête!